Et nous nous retrouvons pour la survie du week-end. Alors, nous sommes au point de désolation. On va regarder un peu l'inventaire vite fait, car je ne me rappelle plus en fait. Donc nous sommes ici. Voilà, vous voyez. Donc on doit aller là, puis nous on est là, puis nous on vient d'ici. Non, enfin bref. On est au site de désolation, donc on a pas mal de choses à faire, pas mal de choses à vérifier. Donc pour le moment, on est au phare, le point le plus élevé de cet endroit, et c'est plutôt, on va dire, tranquille. Par contre, on est entouré de glace, évidemment. Il y a un pont, évidemment, pour revenir à la côte. Mais il y a beaucoup, en fait, de loups qui se baladent, du coup, sur la glace. Donc on va essayer de les éviter. Et notre prochain arrêt, donc on reste au site de la désolation pendant un petit moment. On va aller au bateau échoué. Le bateau échoué qui devrait en théorie comporter pas mal d'objets intéressants. Il y a aussi une forge. On va pas l'utiliser, la forge, parce que on n'a pas vraiment amené ce qu'il faut en fait pour l'utiliser. Mais plus tard, on va faire tout ce qui est outils. Hein. Donc nous avons quoi? Voilà, nous avons donc la hachette, le couteau et les pointes de flèche, mais bon, ça sera pour un peu plus tard. Pour le moment, c'est de l'exploration, récupération d'objets intéressants, etc. Un peu d'aventure. Donc on a encore notre revolver, donc 6 balles dans le barilé, 29 balles en réserve, 58%, ça va. On va peut-être commencer à avoir quelques tout petits problèmes si on commence à tirer à tort et à travers, donc on va essayer d'éviter ça. Nous sommes à 32 kilos. Je pense qu'en faisant le bateau échoué plus le reste, je pense qu'on va être en surpoids. Ça va être un tout petit problème. Par contre, il va falloir qu'on fasse une pause aussi parce qu'on n'a pas trop en fait de ressources. On va devoir peut-être faire de l'eau. On verra en tout cas. Mais voilà, il va falloir faire un peu attention, mais on va ressortir. Donc on va voir si j'avais laissé des choses par terre. Je me rappelle plus. Je pense pas trop. On va voir. Donc ça, on va le laisser. Le reste, ça a l'air d'être bon. On a tout ça. Je pense que la dernière fois, j'avais dit qu'on allait sûrement laisser ça ici. Parce que ça va nous peser un tout petit peu lourd. À la limite, on pourrait prendre le lapin cru. Pour qu'on le cuise. Mais ça, je crois qu'on va le laisser, le reste. Parce que après, on reviendra en fait au phare pour tout récupérer. Parce que sinon, on va être trop lourd en fait. Et c'est un petit problème. Même le jerrycan est un peu lourd, c'est un peu chiant. Ça, on va peut-être le déposer aussi. Il y a la fusée bleue. La fusée bleue, on va surtout ne pas l'utiliser. Donc, on va la garder pour les loups gris. Donc, on va la poser. Je pense qu'on est bon. Le reste, on peut garder. Après, c'est du feu. Après, c'est beaucoup de bois. Après, c'est beaucoup de bois. Donc, à la limite, on peut peut-être prendre le lapin. À la limite, on peut peut-être prendre le lapin. On verra ça. Allez, on y va, on sort. On va devoir faire un peu attention. Ouh là là, c'est vraiment pas un temps cool. Très très sombre, très très sombre. Très très sombre. Nous on doit aller, oh mon dieu, voir dans cette direction. J'ai envie de dire, on peut peut-être. Attends, faut que je me mette en hauteur pour voir un peu. Ok, on devrait pouvoir faire ça. Vous pouvez le faire ici assez tranquille, la descente. Après la montée, je vais être honnête, je pense pas qu'on puisse arriver tout en haut au phare par les côtés. J'ai jamais vraiment testé, honnêtement, mais je pense pas qu'il y ait d'accroche ou d'endroit où vous pouvez vous appuyer, en fait. Donc je conseille pas de le faire. Après, en théorie, vous devriez être tranquille sur la glace. Vous devriez être complètement tranquille. Pas trop s'approcher non plus du bord, parce que sinon vous allez tomber. L'eau devrait... Non, pas l'eau, le bateau devrait être de ce côté-là. Ah, il est là, on voit le pile devant. Il se fondait un peu dans la masse avec les cailloux, les rochers.
Ici, il y a des... Il peut avoir des choses intéressantes à prendre. On va pas y aller maintenant. Attendez, c'est quoi sur la droite, là? On entend des loups sur la gauche. Attends, on va rentrer dans le bateau. Voilà, pour pas trop avoir froid, en fait. On va faire ça. On va faire ça. Ok. Très, très bien. Ok, cool. On va sortir ça. Voilà, très bien. Alors... Une écharpe qu'on peut mettre... qui sert strictement à rien, qu'on ne va pas mettre. Voilà. Fishing net nécessaire pour les couteaux, ok. Fishing net, c'est des filets de pêche. Tissu. Faut regarder, il y a pas mal de petits objets, comme vous avez vu là, le tissu qui était à côté. Donc il y a pas mal de petites choses comme ça. Si on a un peu de chance, on peut en trouver. Donc baissez-vous, regardez sur les côtés évidemment. Genre l'appareil à l'intérieur. À l'intérieur, vous risquez rien. Le bateau fout peut-être un peu les boules quand même. Nous on a une lampe et tout, donc ça va, on a du kérosène. Mais si vous êtes à la torche et tout, il y a beaucoup de bruit. J'aime beaucoup. Je dirais peut-être, niveau ambiance, c'est le deuxième meilleur endroit après le barrage Carter. C'est un peu petit par contre, comparé au barrage Carter évidemment, mais c'est plutôt sympa. Surtout que le bateau, il est complètement échoué, en fait. Hein. Donc, il est tout le temps tordu. Tout le temps penché. Mais, c'est à se dire où sont passés l'équipage, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous donne un peu des petites pensées. Qui est-il arrivé à l'équipage? Ça, c'est la forge, évidemment. Forge, fourneau. Ah, il faut arriver à 150 degrés. Alors... ce qu'on pourrait faire, c'est... 34, ouais, ça. On va prendre le charbon. On va prendre le charbon avec nous, c'est pas grave. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est laisser du charbon, en fait, aux forges. Sauf que cette forge, on va pas la faire. On va pas l'utiliser, vraiment. Donc, à la limite, autant prendre tout le charbon disponible. Je pense qu'on va dormir peut-être une heure, histoire de se réchauffer entièrement. Une fois qu'on aura fini. Attendez, il y a ça... Très bien. J'avais du mal à avancer. Ça, accélérant. Oh, regardez, vous voyez? Voilà, très bien. Et en haut, il n'y a rien. Il y a une bosse, là. Il y a une bosse. Okay. On va regarder le dessus. On va regarder le dessus d'abord. Et puis après, on va peut-être dormir une heure, moi. Genre le temps de se réchauffer. Attendez, d'abord faire le haut. Tombez pas, vous pouvez tomber, hein, donc faites gaffe. Ah ah! Très bien. C'est tout penché et tout, ça donne un mal à la tête. Ok. Très bien, on a récupéré une balle de fusil, c'est pas mal. Là-bas, il y a des bidons qui sont cassés, on peut descendre par là, là, il n'y a rien. Ici, on est bon. Ici, on est bon. Et après, vous pouvez descendre directement comme ça, par là. Mais nous, on va pas le faire, on va aller se réchauffer. Non, hop, on va d'abord rentrer. Ouais, on va dormir une heure, on se refroidit extrêmement, extrêmement vite. Hein. Ça reste un gros problème, ça, j'avoue. Ça reste un très gros problème. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, on va dormir... Il n'y a pas un sac derrière? J'ai cru voir un... Non. Ok, on va dormir une heure ici. Hop, lit, une heure. Ok, on est parti. Oh, on s'est même pas réchauffé au max, quoi.
c'est pas réchauffé au max. Ok, parfait. Alors maintenant, ma question c'est... Est-ce qu'on va directement au bâtiment ou alors on va sur la petite... les petits îlots là. Attendez, on va rallumer une lampe. Qu'on vient de passer. Le truc c'est que ça nous ferait aller en arrière. On va descendre par contre. On va aller par le bas. Je sais pas trop. Ouais, non, on va directement aller au bâtiment. Il fait trop froid. Et c'est pas de ce côté. Il fait trop froid pour trop se balader. J'ai pas vraiment envie. Voilà, on y va. Le Raiken. Le Raiken, voilà, c'est ça. Le bateau, c'est le Raiken. Ah, vous voyez, là-bas, on pourrait y aller, hein, mais bon. Ça fait un peu loin, ça fait beaucoup à regarder. Alors, on ira peut-être au retour à la limite, on ira peut-être au retour. Je veux aller là-bas moi. Alors là-bas ce sont une poissonnerie, il y a un gros ours à gauche. Et il vient de shifter dans notre direction, bien vu, bien vu, bien, c'est cool, c'est sympa. On va se bouger les fesses pour fouiller ça. On entend marcher. Ok, cool. Avant... Oh, non, Horteux. Oh putain. Hein? Non mais... On va pas se bloquer sur des petits... des brindilles. Ce serait un peu embêtant, ce serait sûrement pas le moment. Donc on va rentrer directement. Parce qu'en fait le problème c'est qu'on a toujours la viande crue hein, sur nous. Donc on pue la barbaque et le truc, il y a Predator qui nous sent de très loin. Donc c'est un peu un problème. Faut penser ça, faut garder ça en tête en fait. Donc ou on fait une pause assez vite et on... et on la cuit, ou alors bah, on fait avec. Okay, très bien. Pour le revolver. Vu combien de fois on tire, ça va pas vraiment être très utile de le lire. Oh, ça c'est de l'or, ça par contre. Ça, la pierre pour aiguiser, ça c'est de l'or, honnêtement, en intrus. C'est un bordel ici pour avancer. Ah, mais avance! Mais allez! Qu'est-ce que... Trop lourd? Trop mangé? Ok, on va se baisser. Ok, ça passe. Alors, je vais pas cacher qu'il y a une petite mise à jour. Qui est censée fixer des trucs, des choses. Qui est censée fixer des choses, ok? Nous, on a une partie modée, donc c'est un peu compliqué. Donc, on va voir. Pour l'instant, tout va bien, rien à signaler, donc je vais pas en parler. Mais voilà, il fallait que j'en parle... à un moment ou à un autre quand même, juste au cas où. J'ai jamais été bloqué comme ça par des débris aussi petits. Mais... Bon, je crois qu'on est bon, on a tout fait. Ok. Alors, hop, on va fermer ça. On va se baisser, on est devant la porte, ça marche. Alors. On est à 36 kilos. On pourrait faire du feu à l'extérieur. Oh, je crois qu'on peut faire du feu même à l'intérieur, peut-être. Je pense qu'il y a un baril hein, pour faire du feu à l'intérieur du bâtiment principal. Donc on peut peut-être aller là-bas. Allez, on y va. On peut peut-être faire ça. J'aurais dû sortir mon arme. On est bon. Enfin, on est bon... Mais bon, vite fait, quoi. Il est à droite. Je l'ai entendu. Il est par là, l'ours. Ouais. Dépêche.
Fais de pêche. On vient de passer à côté d'un loup, il a pas vu! Je crois. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je l'ai entendu en plus marcher. Je crois qu'on vient de passer à côté d'un loup, il a pas bronché. Qu'est-ce qui se passe encore? Bienvenue encore dans un épisode extrêmement bizarre, hein. De notre bon vieux jeu The Long Dark. Metal Water Bottle au potable. Ouh, cool. On a une bouteille d'eau, une nouvelle bouteille d'eau qu'on vient de trouver, et elle est violette. Je savais pas qu'il y en avait des violettes. Sympathique, sympathique. Sympatoche. Hop. On peut dormir là une heure. Et honnêtement, j'ai bien envie de dormir là une heure parce que j'ai pas trop confiance qu'à l'extérieur, on a quand même apparemment beaucoup de bestioles. Et je suis pas trop d'avis de ressortir maintenant. On va peut-être laisser genre une heure passer, vous voyez, le temps qu'elles fassent leurs affaires et puis qu'elles partent. On est bien passé à côté d'un loup. Hein. Je suis quasiment sûr qu'on est passé à côté d'un loup. On va éteindre ça, on va se baisser. Ok, le lit est là, très bien. On va remettre du fuel là-dedans. Ravitailler. Ah, très bien. Vous avez vu que ça part vite hein, quand on commence à un peu utiliser la lampe. Un peu beaucoup. Donc ça c'est bien pour l'eau. On aurait deux bouteilles comme ça à 0,75. Ça c'est sympathique. Très très sympathique. Ouais, non, j'ai pas grand chose à faire honnêtement. Peut-être manger un peu. 300, 350, 300. Ok, très bien. On va boire, très bien. Okay, let's go, une heure. Ok, parfait. On va sortir notre bon vieux revolver. Ok. On va aller. On va essayer d'aller au bâtiment principal. Ce que j'ai dû faire, en fait, ce que j'aurais dû faire, en fait, c'était monter les escaliers, honnêtement. Mais bon, on va voir. Il y a aussi plusieurs autres endroits, en fait, à l'extérieur qu'on pourrait visiter. Mais c'est un peu loin, c'est un peu compliqué, en fait. J'entends à droite. Non, on vient de passer à côté d'un loup. Hein. On est d'accord qu'on est passé à côté d'un loup. Hein. Parce que là, il y avait... Je sais pas, je suis allé tellement vite, je sais pas. Je suis perplexe sur ce qui vient de se passer. C'est bizarre. C'est les aléas de The Long Dark. Bon, maintenant, on espère trouver des bonnes choses. Voilà, très bien, très très bien. Donc, on va prendre ça. La conserverie, voilà, c'est ça. Très bien, très bien, très bien. La pêche, ça, c'est cool. La pêche, ça, c'est très très bien. On va tout prendre, on va essayer d'aller très vite pour économiser au plus la lampe. Parce que vous avez vu quand même que ça allait vite. Ah, et après on fera un tri. Normalement on risque rien à l'intérieur, il n'y a pas d'animaux. Il n'y a pas de zombies non plus. Pas de dragons. Enfin voilà, les choses habituelles qu'on peut rencontrer au Canada. Très bien. Oh, oh, oh. Ah.
regarder juste derrière ou sous le lit si jamais il y a quelque chose. Ok, donc ici c'est un peu problématique en fait pour bouger. Très bien. Merci madame, monsieur. On va repasser... Ouais, on repasse par l'intérieur. On va faire petit à petit, j'ai pas envie de sauter des étapes. Parce qu'ici on peut louper pas mal de petits objets. Vous avez vu que là on a récupéré... On peut dormir donc là. On a récupéré... une boîte d'allumettes hein, qui était vraiment assez assez cachée. Donc on va y aller doucement. Très bien. Sur le rebord aussi. Là on est bon, il y a des lits. Oh oh, attendez, il y a un truc là, c'est quoi ça? Oh yo 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 yo, fusil de chasse. Je sais pas si on va pouvoir le prendre. Moi, je pense que le fusil de chasse, il ressemble un peu à un car. Le KR, l'arme. Car 80, 98, je crois. Et on devrait le placer au phare. Et ça irait bien, en fait, dans le thème. Non, je déconne. Non, le truc, c'est qu'en fait, il est lourd. C'est ça, le problème. On est déjà à 43 kilos. Hein. On est déjà à 43 kilos, donc on va devoir réfléchir à ce qu'on fait avec tout ça. Ouais, ça, c'est un backer. C'est pas intéressant. Donc, on va devoir réfléchir. On va pas pouvoir tout prendre quand même. C'est trop. Oh, on pourrait casser ça. Enfin, scier ça. Ah, on va pas pouvoir tout prendre. Et marteau lourd pour casser les briques. Ah, là, on peut faire du feu. Ce qui est normal. Ce qui est normal. Ouh. Pas mal. Ok, 21. Merde, 21, 46. Ok, cool. Ouais, on a des très très bons objets. Hein. On a des très très bons objets. On est grave trop lourd par contre. Alors attendez. 47 kilos. Aïe 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 aïe. Il a 0 bas, il est à 67%. Il est en très très bon état. Mets tout au même endroit, c'est vraiment déconseillé de mettre tout au même endroit. C'est chiant après pour récupérer les choses. Mais bon, on va se débrouiller avec. Regardez le bordel maintenant. Admirez. Ouais, trop bien. Allez, on va faire la suite. C'est quoi ça? On sait rien. Alors on pourrait faire un feu comme j'ai dit, ok très bien, faire un feu donc pour, peut-être un truc là-bas, cuire le morceau de lapin qu'on a, mais honnêtement faire un feu juste pour le lapin, c'est un peu gaspillé honnêtement, hein. faut être honnête. Donc, qu'est-ce que... Ah, c'est des planches, ok. Enfin, des planches en métal. Ouh, combien de balles? 10. Parfait.
Donc ça peut être un peu... Ouais, on peut peut-être ne pas le faire. Après, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est... essayer de se faire un loup pour récupérer de la viande. Et là, du coup, on a plus de choses à faire, d'accord? Bon, c'est sympa. Mais si jamais on se fait un loup, donc bah, du coup, il faudra bien tirer pour le tuer en une fois. Après, il faut le dépecer à l'extérieur. Et du coup, il faudrait faire du feu à l'extérieur. Donc, ouais. Alors après, ce qu'on peut faire aussi, c'est combattre l'ours. Ouais. Combattre l'ours, et là, on gagnerait donc la peau. Oh, 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 oh. Comment je prends ça? Peut-être pas de ce côté. Non, peut-être de l'autre côté. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, le coup de l'ours. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça peut être? C'est vrai que la peau, moi je dis pas non. Hein. Enfin, personne dirait non à la peau. Et ça nous enlèverait aussi un danger. Hein, faut le reconnaître. Donc ça peut être quelque chose qu'on pourrait faire. Surtout si on campe un peu ici. Mais le problème c'est qu'on n'a pas de nourriture. De l'or. De l'or, de l'or, de l'or. Le problème c'est qu'on n'a pas de nourriture. Et on peut pas vraiment vivre sur l'ours. Sur la nourriture d'ours. Donc ouais. Qu'est-ce qu'on fait? La question c'est que faire? Que faire? Ok, c'est bon, on a tout. Que faire? Moi, je suis partant pour combattre l'ours, honnêtement. Ça nous ferait une toute petite aventure ici, tranquille. Combat contre l'ours. On peut faire que du feu en bas, hein, je crois bien. Alors, attendez. Je dis que ça peut être sympathique. Ça peut être sympatoche de se faire l'ours. Pourquoi pas tenter? Pourquoi pas tenter? Hey, on a 39 balles de réserve, hein, c'est cool, ça, je suis content. Ça. Voilà, poser ça, ça aussi c'est lourd. La lampe, c'est aussi lourd. Ah oui, c'est vrai qu'on a eu un vêtement en plus. Ah, nous on est mieux, hein, on est mieux avec ça. Celui-là on va le jeter, celui-là aussi. Par contre ça... La veste en Mackinaw, une veste en laine lourde du style résolument canadien, très appréciée par les chasseurs et les bûcherons. Très très bonne résistance au froid. Très très bonne résistance au froid. Et là on aurait 30% à l'humidité, là, ça serait 40% à l'humidité. Par contre c'est un coupe-vent quoi en gros, ça fait office de coupe-vent quoi, donc c'est mieux quand même. Même la résistance, elle est mieux de la mettre qu'en laine, c'est marrant ça. Ok, on va prendre ça. Faudrait la réparer aussi. Voilà. Donc là, je viens de tout mettre par terre au même endroit, comme un idiot. Donc maintenant, c'est la merde pour se retrouver. Alors, attendez. Ça. Attends, on va poser la lampe aussi, parce que ça me rend fou de... Alors, je vais... Le bois ici, ça ici, une seconde, hein. Je veux juste mettre un peu d'ordre parce que sinon ça va être la merde, ça va aller très vite, ça va aller très vite, surtout avec nos mods, comme ça, sinon on mettrait 7 ans à le faire. Livre, livre. La scie. Le livre. Ça. Ok. Ok, parfait. On a une balle. Alors attends, on est bon. Tac, tac, tac. Ok, cool. On éteint. Alors attendez. Ça c'est le revolver, ça c'est le... Je sais qu'on voit rien de ce qu'on fait, mais... Je suis en train de charger le fusil en fait, tout simplement.
Donc on a le fusil chargé d'une balle. On est à 35 kilos. Je suis en train de me dire en fait pourquoi pas peut-être utiliser le fusil et après utiliser le revolver en fait. C'est pour ça que j'ai pris le fusil dans la main, dans les mains. Je pense que ça peut être pas mal. On va se... Attendez, je crois qu'on a un peu de nourriture. On va prendre ça. Ok, maintenant on a ça. Je vais voir. Ok. Ça c'est 25, ça va. On va prendre ça. Ok, on est bien. On va dormir une petite heure pour être déjà au max. Et surtout, c'est pour la vie en fait. Je veux vraiment qu'on soit vraiment au max. Parce que le problème d'ici, c'est que j'ai toujours eu on va dire des. Allez, on va le dire. Des mauvaises expériences en fait, combattre ici. Parce que c'est un peu. C'est assez étroit en fait. Il n'y a pas vraiment d'endroit où on peut se mettre genre en hauteur et faire le tour d'un rocher et tout ça. Donc j'ai envie d'être à fond en vie, d'être sûr de pouvoir gagner. Si jamais. Enfin, non, c'est sûr de pouvoir survivre si jamais le loup nous attrape. Donc là, on a une balle de fusil et après on passera au revolver. Donc, en gros, c'est ça le but. Allez, c'est parti. Je vois rien du tout. Ok, on est bon. On a la viande sur nous. On va peut-être la déposer par terre, j'ai envie de dire. Alors. Est-ce qu'elle switch bien? Ok, elle switch bien entre les. Oui, on a que ça de toute façon comme arme. Par contre, on va déposer ça. On va sortir le fusil d'abord et après on passera donc au revolver, comme j'ai dit. J'ai entendu du bruit ou pas? Non. Si! Ouais, non, c'est peut-être le rivage. Ah. Peut-être le rivage. Ok. Faut qu'on trouve l'ours. On trouve l'ours. On va faire le tour, hein. Et on va juste s'arrêter, écouter. Chaud. C'est pas lui ça? Là. Je sais pas. On va faire le tour, on va voir. On va se mettre là. Est-ce qu'on pourrait monter? Merci. Ah. Non, j'ai cru le voir, mais en fait, non. On peut passer par là ou pas? Non. Je suis bloqué. J'entends un truc. Non, c'est un loup, ça que j'entends. C'est le loup que j'entends.
Ah, c'est embêtant. C'est embêtant, ça. Vraiment une mauvaise visibilité aussi. J'ai envie. Bonjour. Voilà. Ça, on n'en parle plus. Oh, 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 attendez. Yes! Ok, attends. Une. Deux. Trois. Quatre. Faut qu'on se repose aussi. Cinq. Ok, très bien. Est-ce que j'étais en train d'enregistrer? Est-ce que j'étais vraiment en train d'enregistrer cette partie? Oui, oui. Ok, on rentre, on a froid. Faut qu'on recharge nos armes. J'ai pris la douille, oui. Ah, si ça serait pas en vidéo, hein, on le croirait pas, hein, honnêtement. J'ai été surpris de one-shot le loup, en fait. J'étais plus surpris du loup que de l'ours, honnêtement, pour être complètement franc. Ouais. Alors attendez, on va se mettre vers la fenêtre. On va recharger ça. Ouais, j'étais plus surpris de mettre une balle apparemment dans la tête du loup que surpris d'avoir tué l'ours, en fait. 2, 3, 4, 5, c'est bien. Donc 5 balles et une balle de fusil, très bien. Ouais, c'est bien, ça s'est bien goupillé tout ça. Ça s'est bien goupillé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ce qui est bien, c'est que je crois qu'il est sous le ponton. Et lui, il pouvait passer, donc potentiellement, on peut passer aussi, j'ai envie de dire, point d'interrogation. Donc peut-être qu'on est à l'abri du vent. Donc ça serait pas mal, ça serait pas mal. On va y aller. Ah oui, tout est en bas. Ah bah ça je suis content. Quand même, par contre, beaucoup de balles. Hein. Une balle de fusil, je pense qu'elles font un peu plus de dégâts, hein, que la normale, que les balles de revolver. Balle de fusil... On a combien de charbon tout? Attendez. On va prendre deux. On va prendre ça. Okay. On n'a pas besoin du reste. Donc ouais, une balle du fusil plus 5 balles de revolver, c'est quand même beaucoup. Et honnêtement, j'ai envie de dire que les balles de revolver ont fait beaucoup de dégâts. Parce que... On va éteindre. Parce que je... Potentiellement, on tirait dans la tête. On tirait dans le crâne, en fait. Sur le sommet du crâne. Donc je pense qu'on faisait un peu plus de dégâts que la normale. Que si on tirait tout simplement dans le corps, en fait. Ah, j'ai... Attendez... On va dormir une heure. Ah, il faut que je reprenne la viande aussi. Merde, je l'ai laissé où, moi, la viande? Je vois rien. J'avais déposé la viande? Oui, je sais que t'as froid. Arrête de paniquer. Dis-moi où elle est, la viande.
merde. Bon. Bah merde. Vous croyez que le loup l'a bouffé? Peut-être que le loup l'a bouffé. Peut-être le loup nous avait repéré déjà. Et il faisait le tour en fait. Et il a bouffé la viande. Ou je suis bête. Mais oui, voilà. Faut qu'on dorme au moins une heure pour se réchauffer. Je suis pas fou. On l'a bien. Ouais, non, on l'a bien déposé. On va dormir ici. Une heure. Voilà, très bien. Ouais, on est quasiment au max. On est quasiment au max. On va déposer le fusil. On va déposer le fusil. Regardez la lampe allumée, voir si on peut pas trouver le morceau de viande, mais je suis sûr que je l'avais juste sorti là, genre là quoi. Non, il y a rien, non, je sais pas. Par contre le l'ours, il était où là-bas? Où il est sur la droite. Il est sur la droite. Ah oh yes, on peut pas remonter. Ah si. Je suis déjà perdu. Ouh. Fond de peinture. C'était là? C'était là, hein? Yes. Okay, cool. Ouh. Merci Winnie. Yeah, ouais, regardez, c'est vrai que je regarde pas assez là. Merci Winnie, tu es parfait. Tu es parfait à cet endroit. Alors, on va mettre... C'est le feu qu'on veut. Ouais. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je voudrais utiliser la lampe avec un accélérant, on est à 95%. Très bien, merci. Très bien, merci. Perfect. Perfect. Hop. 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 Et hop. Voilà. Donc on a utilisé la lampe, ça a utilisé 3% de la lampe, parce qu'on utilise le claquet à l'intérieur en fait, les pierres qui se... pour allumer, vous savez. J'avais déjà expliqué ça. Donc ouais. On va sortir ça. Allez, ça pourquoi pas. Hop, 2. Très bien. On va sortir... On va faire notre bivouac, hein, tranquille. Tranquillos. Hop. Mets-toi bien droit, merci. Notre feu à 53 degrés, 3 heures. C'est très, 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 très bien. Nous avons de la nourriture dans ça qu'on peut faire cuire. Hop, hop, hop. Du coup, ça va se réchauffer, donc on le force automatiquement, et pas de problème. Ça, pareil. Et ça, j'ai pas vraiment envie de le manger, mais on va voir, on va se débrouiller. On va voir. On va mettre ça là. Ça, ça réchauffe. Très bien. Ça, hop. Ah. C'est les trucs de tomates. Apparemment, on n'était pas assez proche en fait du feu. Voilà, c'est bien. Ça aussi. On est en train de forcer les objets. Bon, ça donnera pas de... C'est pas grave, c'est pas très grave. Ça m'embête un peu quand même. On n'aura pas de conserve en fait, comme là, là. Comme celle-là. Mais bon,
Hein, c'est pas grave. On a de la nourriture comme ça. Très bien, ça cuit, on a le feu, on a tout. Faut bien que je réfléchisse quand même, faut pas faire de conneries. On pourrait faire... On va couper la peau. Non, on va d'abord prendre... On va d'abord prendre 2 kilos de viande. Ok, 2 kilos de viande, on va les mettre à cuire. Pam, pam, pam. Comme ça, on est libre pendant au moins une heure. Voilà, très très bien. Donc tout ça qui... Quoi ? Reste brûlé, immangeable. De quoi immangeable ? De quoi immangeable ? Brûlé... Non ! Ils ont... What ? Genre on peut pas laisser les trucs se chauffer indéfiniment maintenant ? Comme avant ? Je viens de perdre 2. Oh non. Objet chaud. What? Non, vous êtes pour du vrai? Non. Oh, on s'est fait... Oh putain. Encore heureux que c'était des Reishi. Reishi. Parce que c'est ce qu'on a le plus. Mais... Ah là là, on en a perdu 2. Donc maintenant, on peut plus les mettre genre à côté du feu indéfiniment. Il faut les pousser. Oh, je suis tellement dégoûté. Oui, attends, je suis en train de me... Ça m'énerve, là. Ça m'énerve. Ça va, on va bouffer. Tu vas te calmer. Là, je suis dégoûté, là, par contre. Faut que je vois si ça vient de la mise à jour ou alors des mods. Mais bon, les mods, je les ai pas mis à jour. Ils ont pas besoin d'être mis à jour pour le moment. Donc je pense qu'ils ont changé ça. Et ça, ça me... Ah ouais, ça m'embête. Ça m'embête. En fait, c'est pas que ça m'embête, parce que c'est vrai que dans un... Quoique non, honnêtement, ça se réchauffe. C'est pas sur le feu directement, ça devrait pas brûler. Hein, on va être honnête, hein. Ça devrait pas brûler. C'est pas directement sur un feu. Mais... En fait, c'est de désapprendre. De désapprendre ça. De plus avoir le réflexe de laisser les choses à côté. Et si je le remets à côté comme ça. Ouais, prêt dans 12 minutes. Réchauffement. Froid. Blé chaud. Froid. D'accord. Ah ben, mince alors. Mince. Ah, ça me frustre. Ah, 63%, 74, 49. Allonger ça. Très bien. Ça, c'est fait. Fondre et cuire, 18 minutes, très bien. Ouais. Ah, c'est... Non, c'est frustrant. Ah là là là, je... Aïe, quoi. Ok, on va le prendre. Donc on en a 2. Je voudrais bien avoir un deuxième de ça aussi. Cuire et fondre, et on va faire un troisième. 16 minutes, 17, qui est du 2 heures, très bien. Parfait. Hop. Une heure, 2 heures, très bien. Je vais en mettre un par terre. Près dans 1 minute. Brûlé dans 36. Ouais, maintenant. Brûlé dans 36. J'aurais dû faire attention en fait quand ça dit brûlé. Parce que sur le coup, oui, bah voilà, enfin ça va faire un an qu'on est comme ça. Hein. Je me suis dit, bon tiens, ça a pas changé. Hein. Mais non, si ça a changé.
Alors, on pourrait le découper. Non, 2 heures, non, on va pas le faire. On pourrait prendre des boyaux. Ou alors, on continue avec la viande. Je dirais pas non pour continuer avec la viande. Comme ça, ça nous montre les carcasses. On va être à niveau 5 dans pas très longtemps. Et surtout, ça nous monte aussi la cuisine, vu qu'on les fait cuire. Après, j'ai une question bête. Est-ce que plus on fait des objets qui durent longtemps, qui demandent beaucoup de temps pour cuire, est-ce que plus on gagne d'expérience ou pas? Je vais être honnête, j'en sais strictement rien. J'en sais strictement rien. On a possiblement une aurore boréale qui arrive. On a bien une aurore boréale. Et j'ai pas ma lampe sur moi. On va moins rigoler. On a intérêt de partir. Et regardez, vous voyez le phare. Vous voyez le phare? Stylé, non hein? Stylé, hein? Ah, vous avez les couleurs, sont belles, hein? Plutôt stylé. Ça donne envie de... J'ai cru qu'il y avait quelque chose qui bougeait. Ça donne envie d'y aller. Oh, vous avez vu la lumière que ça fait? Ça éclaire vachement. Oh, ça tue, c'est stylé. Ça donne envie d'y aller le voir, mais bon. Ah, peut-être que l'aurore boréale, elle va durer très longtemps, donc on aura le temps. On verra ça. On verra ça. Putain, mais ça éclaire à mort. Ah, bah du coup, ça serait un endroit super safe, j'imagine. Ah bah oui, ça serait un endroit méga, méga safe par rapport au... par rapport au loup. J'ai envie de dire. Très très bien. Encore une heure. Très bien. J'ai envie de réchauffer ça près dans 12 minutes. Faut se rappeler que les bestioles, elles ont pas peur du feu. Hein. Donc si jamais il y a un truc qui approche, on lui tire une balle, hein, direct, on réfléchit pas. Hein. Là, j'ai pas de lampe, rien. T'es gros, hein, monsieur Rier, je peux pas te passer. Hein. Pas passer hein. Un gros popotin. Hein. Alors, hop. Faut que je regarde nos skills. À quel niveau ils sont. 38 minutes. J'ai envie de... J'ai honnêtement envie de manger un morceau d'ours. Mais est-ce que ça vaut le risque en fait? J'ai envie de dire ça. Est-ce que ça vaut vraiment le risque? Vous voyez? Faut que je regarde nos skills maintenant. Okay, très bien. Ça s'est rouillé honnêtement, j'ai pas envie de le toucher. Ça on pourra le manger, ça fait 300 calories. On a ça. Très bien. Faut qu'on fasse de l'eau aussi. Qu'on fasse de l'eau. Je vais remettre ça à fond. Voilà, 75-75. Et comme ça, on n'utilise que la gourde, en fait. Putain, c'est stylé, ça. Oh là là, j'aime bien le... On va voir si on peut reprendre un bon screenshot comme ça. Ça pourrait être stylé. Je pense que ça sera ma miniature. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Je trouve...
Alors, on va regarder un peu nos skills. Alors, cuisine niveau 4, 4 ennemis presque, carcasse, ouais, ça avance doucement. C'est pas énorme, on est quand même encore loin, on est encore loin. Donc c'est un peu embêtant. Je sais pas pourquoi on est en train de couper toute la viande en fait de l'ours. À la limite, j'ai envie de dire que... C'est parce que le vent se lève, ça va, on est bon, on est bon, on est bon. Ouais, 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 ça va, ça va. Tout va bien, tout va bien. J'ai envie de dire que ça fait de l'expérience et puis ça sera pas perdu plus tard. Aïe 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 aïe, ça fout un peu les boules quand même s'il y a un loup qui me flaire. Alors faut voir un peu mon expérience. Alors on est cuisine. Ouais mais je vais pas voir l'augmentation. Faudrait que je reste sur le... Ouais non. Comment tu vois que je... Comment tu veux que je vois? Ça va. Comment vous voulez que je vois l'augmentation? Encore une heure. Bon après, on prend toute la barbac, on rentre. On va dormir le plus possible pour récupérer notre vie et après on... Merde. Ah, et après... ouais, ce sera la fin de notre épisode. C'était un épisode plutôt sympathique. 38 minutes, 9 minutes, il reste une heure. Non, ça on va pas le réchauffer. Ça je vais... Ça on va pas le toucher. Ça. On va le mettre à côté comme ça pour faire style, mais on va pas le toucher. Aussi, petite parenthèse, on devrait avoir un meilleur ciel. Honnêtement, il me faudrait un côte à côte pour voir si vraiment le ciel est plus joli. Je pense qu'il est plus joli. Je pense qu'on a des meilleures couleurs et tout ça. Ah, merci au mode. Pardon. C'est bien sûr dans la description si vous êtes intéressé. Mais normalement, ouais, on a un meilleur ciel la nuit. Mais vu qu'on est tout le temps la nuit. Ouais. Je crois qu'on a des meilleures couleurs. Ouais. C'est stylé. C'est très très beau comme ça. Très très beau. Attendez, on veut de l'eau un peu. Très bien. On peut à 8 minutes, ça. Ça. Non. Oh. Très bien. 8 minutes. Oui, ça va. J'ai toute la viande qu'il y a, mais bon, tu risques d'être malade. Donc qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? C'est un peu compliqué, en fait, notre dilemme, là. C'est un tout petit peu compliqué. Le feu.
table. Ouais. Boire. Et le surplus normalement devrait aller dans la gourde, je pense. Non, ah bah non, elle a tout bu, non, non, je suis bête, pardon. Elle a tout bu, elle avait soif. Elle avait soif. Ouais. Est-ce qu'on peut faire ça avant que le feu s'éteigne complètement? Je vais réchauffer ça. Quoique ça nous sert à rien, honnêtement, de le réchauffer. Ça nous sert un peu à rien. Hop. Et hop. Et on est bon. Et on a perdu 0,09. Ça va, c'est très bien. On sait ramasser. 12 minutes, ça c'est plein. Enfin, c'est chauffé. Ça va chauffer. Très bien. On a la peau. On va prendre ça. On prend la peau. On a réparé notre pull. L'eau est bonne. Encore une fois, il nous manque des calories. Mais bon, à la limite, on a tout ça à bouffer. On va prendre tout ça. Ça fait beaucoup, mais on va se débrouiller. On est à 48 kilos. On peut pas vraiment bouger. Ça fait plaisir. Non. Non, ça servira strictement à rien de sortir une torche. Ça servira strictement à rien. Oh, regardez! Oh, des étoiles filantes! Ah, ça tue! On peut passer par là? Oh, c'est magnifique! Alors, on va se suicider. J'ai l'impression d'entendre des pas à gauche. Pardon. Ah non, le vent, t'emmêle pas. Ça devrait être bon. Là, on a l'ours, le loup qu'on a tué. C'était pas l'autre côté, le loup? Non, si, c'est là. Regarde s'il n'y a pas des plumes. Ok. C'est quoi ça? Oh, ça tue. Mais ça tue. Mon Dieu, la chance. Okay, très bien. Et là, le cru. Okay, très bien. Et voilà. Pas mal. C'était des balles de quoi? J'ai cru que c'était des balles de revolver, mais je crois que c'était des balles de fusil. Du coup, est-ce qu'on prend le fusil ou pas? Question. J'ai pris la peau. Oui, j'ai pris la peau, ça va. C'est des balles de fusil. Des balles de fusil. On va regarder d'abord en bas. Ouais, d'accord, ok. Voilà. Vous avez vu le ciel? Oh, regardez! Oh, la lampe s'allume automatiquement! Ah, ça, c'est classe, ça. Ça, j'aime bien, ça. On va prendre ça. Non, fais pas n'importe quoi. Prends. Ah, équipé. D'accord. Ok.
Elle devait être... elle devrait être... Elle devait être allumée, en fait. Tu peux voir? Je l'éteins. Ah, est-ce que j'ai dû appuyer dessus? Ouais, là, elle est pas allumée. Prendre... Vous voyez? J'ai dû, en fait, appuyer sur le bouton, quoi. Et elle était allumée. Elle était en mode allumée. Mais merde, j'ai loupé le fusil. C'est sympathique. Ça, le reste, on va le laisser. Charbon, on va peut-être le prendre. Ça, on va le laisser aussi. On a tout. Ouais, on a tout. Let's go. Là, il n'y a rien non plus. Ça, on va mettre les objets en haut, parce qu'à chaque fois, de descendre, monter, descendre, monter, c'est relou. Ah, direct, c'est pas la même ambiance, hein, avec une lampe torche. Directement pas la même. On va dormir là. Ouais. On va dormir là. Donc... Alors, je vais voir un peu. Alors, je voudrais charger ça à fond, ravitailler. Ok, maintenant le jerrycan il est à zéro. On a des balles, on a récupéré le fusil. On le charge le fusil? Ouais, on va le charger. Très bien. Ah, on est à 40 kilos. Genre avec l'équipement qu'on vient de trouver, c'est quand même pas mal. C'est quand même beaucoup. J'ai envie de dire, donc ça c'est un peu embêtant, mais on est déjà bien équipé, hein. On est déjà bien équipé. Alors après, est-ce qu'on a besoin de prendre tout ça? Eh ben pas vraiment, pas vraiment. On va manger tout ça. Ah oui, c'est là. Sur le coup, je me suis dit, mais on est... j'ai laissé tous mes thés et tout ça dehors. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais ça va. On va boire un coup. On est à combien de calories? 930 calories. C'est pas beaucoup. Ah, mais ouais. On va dormir, ce sera la fin de notre épisode. Donc, épisode au top, honnêtement. La prochaine fois, je vais voir en fait ce qu'on fait. Est-ce qu'on rentre avec tout notre matos? Honnêtement, ça fait beaucoup à transporter. On va être extrêmement... Enfin, quoi qu'on est à... Non, on est à 38 kilos. Ah non, ça va. Ça va. Mais on n'a pas fini. On n'a pas fini. Il y a encore des petits endroits, en fait, à aller visiter. Donc, on va voir ce qu'on fait. Est-ce qu'on va les visiter ou pas? Ou alors, est-ce qu'on fait demi-tour direct et on rentre? Parce qu'on a déjà une peau et tout. On a plus ou moins fait les gros bâtiments, en tout cas. Après, il y a une mine aussi qu'on pourrait visiter. C'est la... En fait, la mine, elle vient au même endroit. Je sais pas si je peux vraiment le montrer sur une carte comme ça. Genre nous on est à peu près là, on va dire, genre là. Et je crois qu'il y a une mine en fait qui rentre là et qui ressort en fait vers l'église qui était brûlée. Donc en gros on va juste dans la montagne. Ça peut être pas mal de visiter ça pour voir s'il y a des objets intéressants. Mais je pense qu'on peut garder tout ce qu'on a sur nous pour le moment. Parce que c'est vrai qu'au final on est à peine à 39 kilos. Ça va, ça passe, ça va, ça passe. Et je serais pas contre récupérer genre charbon ou des conneries comme ça. Donc ouais, on va dormir. Par contre, c'est les calories. On en a vraiment pas beaucoup. On en a vraiment pas beaucoup. Hein. Donc peut-être qu'on va finir par manger un steak d'ours. Pas sûr. On verra ça la prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Et on va dormir 8 heures, même si elle n'est pas fatiguée de toute façon. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé, à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.